Château d'Armaillac 2019. Particularité de ce millésime, puisque nous avons démarré le chantier de la reconstruction du cuvier et du chai, c'est le dernier millésime qui aura été vinifié dans le cuvier et le chai historique de Château d'Armaillac. Ce millésime 2019 à Armaillac est particulièrement intéressant parce qu'on est sur une très belle couleur du vin, bien entendu, et des arômes. On sent bien le merlot qui enrobe le Cabernet Sauvignon. Il y a 27% de merlot dans cet assemblage. On sent bien ces côtés gros fruits rouges, mais aussi toutes les nuances du Cabernet Sauvignon, les petites baies noires et roses, groseille, un peu de cassis, de mûre également. En ce qui concerne la bouche, ça va bien structuré, une belle charpente tannique. Bien sûr, c'est un peu jeune encore à ce stade. Mais il y a aussi, ce qui est assez caractéristique d'ailleurs dans ce millésime, c'est ce côté fraîcheur. Une forme de minéralité qui n'est pas si courante que ça d'ailleurs sur d'Armaillac. C'est un très joli vin qui a une particularité, je trouve. Il est extrêmement ouvert, ce qui est quand même assez rare à cette période de l'année. Et alors, je lui trouve en plus une petite touche, une petite nuance inhabituelle de truffe. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez quand vous aurez l'occasion de le goûter.